Ok, on va continuer, on va juste récupérer en grosso modo les trucs. Et après on va continuer l'histoire principale. On va pas tout faire. Hein. De toute manière, c'est pas possible de tout faire. Vu qu'il y a des choses qui sont bloquées au départ. Alors, on va vite. En gros. Alors. Ça, j'aime pas trop qu'elle est là, la relique. Et là, encore plus loin. Oh là là, c'était dans la crypte. Bon, mais on va pas aller chercher. On va pas aller aussi loin. On va récupérer ceux qui traînent, je pense. Le reste. Enfin, on verra. Il est. Ok. On fait une session de nouveau à peu près 1 heure, 40, entre 40 et 1 heure. Je vais essayer de faire des coups plutôt comme ça, mais c'est pas aussi aidé à faire. Alors, si je monte, je dois pouvoir libérer. C'est les loups qui sont de nouveau là. Photos de famille. Des Russes de la fin des années 50. L'un d'eux était peut-être emprisonné ici. Les reliques, on dirait que ça donne rien. Devrait peut-être limite les zapper, quoi. On va faire le tombeau. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Est-ce que les soviétiques auraient trouvé quelque chose? Il y a de l'eau en dessous. Et pas qu'un peu. Du système. C'est parti. Ouais. À ce rythme, il ne restera plus rien d'ici quelques dizaines d'années. Ah, c'est dommage. C'est une citerne. Ça, par contre, ça donne des points à l'eau.
ça. On la balance. Voilà. Là, elle explose. Ah oui. Ça, je prends la cassée, il faut pas. Bon, après, ça va assez vite, hein, donc on va se connaître. Le niveau de l'eau est indiqué sur le mur. Il n'est pas régulier. Je devrais pouvoir traverser à la nage maintenant. Ah ouais, mais là c'est tu vas lancer. Il devrait y avoir largement assez de pétrole ici pour éclairer les passages souterrains. Mais sois prudent en le transportant. La technique de raffinage n'est pas encore au point et il est très volatile. Tu vas faire la connaissance de l'homme qui supervise la construction, comme nous tous. Sans ses connaissances sur la Terre, aucun de nous n'aurait survécu à cette épreuve en voyage. Hâte-toi, et s'il demande des nouvelles de sa femme et de ses enfants, fin l'ignorance. Il n'arrive pas à accepter qu'ils ont péri lors de l'Exode et s'attend à les voir arriver bientôt. Nous avons besoin de son génie, et je crains que s'il découvre la vérité, il ne perde la raison. Ok. Une autre barrière. Mais comment l'atteindre? Alors là, c'est pour un balancier.
manuscrits anciens. Des dons de la Terre. Fabrication. Ok. Mais non, c'est pas là. Voilà. Oh là, attends. Non. Là, on a tout oublié de tout. Il était où maintenant? Ok, on est nouveau dans le complexe. On arrive quand même à sortir. Alors on aura peut-être des loups de nouveau. Contact. Alors ici, on peut récupérer ça. Ça, on peut... bah, celui-là on pourra clairement pas, et ça je sais pas. En fait on n'a pas grand chose encore à faire quoi, on va... Et donc ça, ce qu'il reste à faire... On a pu le faire la dernière fois peut-être d'une traite. Je crois que c'est notre partie qui est tellement longue et pas... faire plein dès le départ et c'était pas possible de faire une coupe vraiment. Alors là, la relique. Une sorte de jouet miniature avec un mécanisme. Il est fait de bouts de métal et de pièces récupérées dans le goulag. Il a dû falloir longtemps pour rassembler tout ça. Et donc ça c'est enlevé, c'est qu'on veut. On va encore récupérer grosso modo les choses vu que ça va assez vite. Ah c'est dommage qu'on doit retourner tellement en arrière. Normalement je pense que la grotte on peut pas y aller. Sinon il faut retourner complètement en arrière pour... récupérer l'objet qu'on a oublié.
dans la crypte. Ce serait bien de récupérer quand même, ça nous permet de traduire les langues. Et si ça permet de traduire les langues, on peut débloquer des caches. Et des caches nous permettent d'acheter des armes dans le magasin. Donc c'est quand même important de prendre les documents. Ah oui, mais celui-là, volontairement, j'étais pas rentré dedans parce qu'on peut pas faire le combo. D'accord, on peut pas. Ok. Alors là, on va récupérer donc les deux objets qu'on n'a pas encore récupérés. Il faut qu'on aille dans ça, la gare de triage. Donc on va à ce camp là. Et après, bah après on peut continuer quoi. Je sais pas pourquoi elle accepte pas de mettre un truc. C'est mal placé. Ça n'accepte pas que je fasse un repère. Mais si je vous trompe, ça devrait être vers là. Alors c'est vers là. Vers là. Allez, c'est tout tellement truc que... à peu près vers là, plus bas. Là on a rien opposé. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. En fait c'est le camp ouais, mais c'est pas celui-là qu'on veut prendre, c'est celui-là. Ok, c'est tout devant. Donc les défilés, drapeaux, etc. on ne peut pas le faire, on ne le fera pas. Et que ce sera beaucoup plus tard et qu'on n'aura pas besoin de le faire. On veut aller dans la zone de la gare de triage. Voilà, dans la gare du triage, récupérer l'objet. Et après on va continuer. Dans l'autre zone pour après avancer l'histoire de base. Alors on va ici. On va être en arrière. Bon, c'est en arrière. En fait on peut pas la prendre la relique du fait que on n'a pas la capacité. Ah si, on a accrochage, c'était ça qu'il fallait. C'est le crochetage qu'il fallait. Ok. On peut faire si c'est le crochetage.
La carte d'identité du goulag d'un des prisonniers. Ok. Ok, alors je vais devoir faire un arrêt. Je vais reprendre. On était où? Là, on est ressorti. Alors, Lara, elle veut aller. Donc à l'autre camp, une vue imprenable, on va juste récupérer une vue imprenable. Ça on fait quand même un peu de gros. Sinon c'est pas... pas intéressant. Donc, voyage, une vue inachevée. Non, une vue imprenable. Ah, je vais mélanger. Une vue imprenable. Ok, donc là c'est... Ok, là c'est là où il faut redescendre. Ok. Tout ça parce que j'ai oublié quelque chose dans la chute. Hein. Alors, on y va vite. La pente elle est où? Là. Ça c'est pas très bien visible. Hein. J'arrivais pas à le trouver au départ. Hein. Est-ce que j'ai cherché l'aide quoi. Alors ici il va y avoir un document, c'est encore plus profond. Ça nous fait chercher en plus. Un prophète doit avoir des fidèles. Cocos de Nicée fut l'un des premiers. Considéré comme un hérétique dans sa ville natale, Cocos rejoignit le pèlerinage vers le nord. Sa connaissance des étoiles contribua à orienter le groupe. On raconte que Cocos et le prophète pouvaient s'asseoir des heures durant sous les étoiles pour débattre de la nature de l'univers et de la place incertaine de l'homme à l'intérieur. Pour le prophète, il construisit un planétaire, de sorte que même pendant l'obscurité de l'hiver, il pouvait contempler le ciel nocturne. Ok. Ok, alors nous on va, faut refaire tout le tour et après on va la suite.
Alors. Ah. Vite Lara, allez. Voilà, on y est presque. En fait, on aurait dû aller direct à le pont, quoi. Et c'est là, on fait tout le tour. Enfin, bref. Hein. Et là, ça vaut limite plus la peine. On est juste en bas. Maintenant on peut aller droit sur la suite vu que on peut rien faire de spécialement d'autre dans cette zone. Lara, t'es lente. J'espère que tu recevras ma dernière bande à temps. Je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces messages et à te les envoyer. Anna dit que je dois sortir le nez de mes livres et de mes articles de temps en temps. Ne serait-ce que pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. Pour qui surtout? Je sais que tu détestes que je m'absente. Mais tu comprendras un jour. Tu verras que c'était utile. Je t'embrasse très fort. Travaille bien à l'école. Je sais que tu pensais faire ça pour moi, mais je ne ressentais pas comme ça à l'époque. Ok. Avancer. Ok. Là, on allait tomber, là, ça. Si. Facile, alors que c'est pas le cas. Le truc du premier là. Non, il est au magasin, en plus c'est là-dedans. Ok. On monte. Là, on a une jolie caisse. Aussi, mais je sais pas si on peut la prendre. Non, on peut pas les prendre. Qu'est-ce que nous fait Lara? Ce texte, il semble mener vers quelque chose à proximité. Mais là, on va pas redescendre exprès, quoi. Enfin, si, hop, il faut la...
qu'il nous faut si on veut acheter. Ah bah ça fait plus un demi-tour quoi. Donc, on voulait aller à la suite. Tu viens d'arriver dans la vallée, hein? Ouais, avec le dernier ravitaillement, c'est pas fini, pareil. On a de la compagnie! De la propagande soviétique. Ouais, on veut pas encore aller là. On veut d'abord récupérer les caches et tout, et après on va. Et puis après on s'arrêtera. Enfin, on reviendra là pour la suite, on s'arrêtera. Pour la prochaine fois, la suite. Quel sacré moment descendre. Hein. Allez, on fait du ski. C'est souvent le ski d'ailleurs. Ski nautique. Par là. Vite, vite, vite là. Il y a quand même leur truc. Et nous avons une mine. Le reste c'est pas encore récupérable. Super lourd. Manger de la viande en trois journées. C'est du bon truc quoi. Allez, on y va. C'est noir. Là. À l'autre endroit.
Ok, on y va. On peut pas. On va monter. Mais ça va aller. Là, c'est la partie où il faut faire gaffe. Hein. Ouais, là, c'est bien pas là. C'est ça qu'on doit faire. D'accord. Vite, Lara, allez. Faut que tu bouges tes grosses fesses, là, apparemment. Là, c'est ravi. Go. Voilà, on est tout proche. C'est ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quoi? Matériel quoi mon con? Oui ça d'accord, mais c'est pas dit que... Pourquoi j'arrive pas à ouvrir la porte pour accéder à l'objectif? Moi, il devrait avoir les gars pour la boutique. Ici mission remplie, c'est une seule mission qu'ils acceptent quoi. Ouais, et du coup je me rappelle pas pourquoi il accepte pas qu'on puisse continuer. Je vais chercher autre chose là. Ah ouais, c'est pas normal quoi. Ça c'est quoi quand je suis au fond des dégâts, vous avez exploré 4 sur 5 dégâts. D'accord. Là on peut pas y aller, ça c'est une fois sûr. Mais pourquoi je suis bloqué maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire maintenant? Ah, elle est dead.
je voulais descendre. Je voulais aller à l'autre partie vite fait parce qu'on sait jamais. Il y a quelque chose qui doit être débloqué, qui n'est pas débloqué, c'est bizarre quoi. Normalement là c'est la boutique. Ah. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi. Si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent, ou qu'ils nous voient ensemble. Je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. C'est quoi, silencieux? Ok. C'est ça que j'aurais voulu pour faire le succès avec les 5 trucs, mais on peut le faire plus tard. On va déjà acheter ça et uniquement ça. Ça faisait un moment que j'en cherchais un. Ça. Et on prend le document. C'est pas une bombe. Un type flippant au visage balafré, un certain Constantin, nous a fait un grand discours sur la destinée et quelque chose qu'il appelle la source. Honnêtement, ça m'a encore plus embrouillé. Les autres contractuels ont l'air aussi agités et nerveux que moi. Mais les gars de la compagnie, ceux qui bossent avec les Trinitaires depuis longtemps, ils boivent ses paroles et en redemandent. On se croirait dans une putain de secte. On se prépare pour un assaut. Tu te demandes sûrement contre qui. Il y a des habitants dans le coin, tout droit sortis du passé. Ambiance fourrure, peau de bête et pointe de flèche en fer. On va à leur rencontre avec des hélicos de guerre et des mitrailleuses de calibre 50. Je me suis complètement gouré de camp, putain. Ok. Là, on monte, c'est la suite. On passe par là. Vous ne faites plus aucun rapport. Les Trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors ? Lara, est-ce que ça va? Oh, j'ai eu peur. Oh, Anna. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'ils s'en prendraient à toi. Tout est de ma faute. Mais qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Où se trouve la source divine? Arrêtez!
Faites pas ça, je sais pas où elle se trouve. Ça suffit comme ça. Elle ne sait rien. Tu es avec eux ? Comment c'est possible ? Espèce... Espèce de... Ah ! Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va te faire mettre ! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père ? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tirera rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Terminé. Enfoiré ! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte, ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Okay.